Donc la première question, c'est je connais Lewis. Ouais, tu connais toi, c'est Sylvie même qu'on a vu là. Eh ben viens voir, faut que je te montre la salle. On y va. Première fois que j'ai rencontré Lewis, je crois que c'était à l'époque où on était parti faire un reportage sur la scène normande dont tout le monde nous parlait. C'était à la fois une grande gueule et en même temps un mec très, très attachant. Lewis, quand il monte sur scène, on s'en rappelle direct parce que... Lewis Evans, vers la scène cadaise, bah ouais. Bah, c'est un personnage aussi, tu vois, voilà, c'est une stature, c'est une présence. D'avoir un parcours musical, évidemment, Lewis, il a tellement d'époques. C'est un nouveau ? Ouais. Et au-dessus, c'est quoi ? Chaque album a son tatouage. C'est d'abord une bande de copains qui avaient envie de faire du rock et qui ont d'abord répété ici. Et après, c'est devenu un groupe pro, mais c'est là que tout a commencé, la première répète. Qui a dragué qui ? C'est lui qui allait les voir ? C'est eux qui ont été se dire... Je pense que c'est eux, ils cherchaient un jeune chanteur. Mais après, il faudra lui demander. Ah non, moi je voulais son frère, Owen. Il est reparti en Angleterre. Il ne restait plus que Lewis à Saint-Lô, c'était le seul anglais. Tomorrow in silk and sashes. Been singing to the morning light. It doesn't matter who you are, the world is always gone. I won't be coming home. Tomorrow, it doesn't matter who you are. C'est vous le chanteur? Ah ouais, je vous ai vu chez Drucker. Enfant de Liverpool, voici Lewis Evans. Et sur le clip, on voit beaucoup des petits canards. Explique-moi pourquoi. Et celle-ci, tu vois, qui a été prise un peu plus tard, c'est un peu l'âge d'or des Lanskis, quoi. À l'époque, ils allaient jouer à New York, ils allaient jouer dans les gros festivals en France. Mais ils disent qu'il est gallois, mais il est né à Liverpool, il n'est pas gallois, tu vois, c'est ça le truc. Mais il est né à Liverpool. Moi, je me souviens surtout du concert des Trans. Il y avait une queue même pas pensable devant, quoi. Enfin, j'ai pu rentrer quand même, parce qu'en tant que programmateur du festival, quand même. It doesn't matter who you are. Il commence dans du rock, il bouge comme un malade sur scène. Après, il est plutôt dans un registre folk. Voilà, alors il dit que c'est du folk, mais moi je trouve pas. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est utiliser un gros slapback sur sa voix, une reverb Eventide, la Disto Waves, c'est hyper punchy. Mais ça fait des grosses journées de boulot quand même. Doesn't matter who you are, the world is always. Quand t'as fait 10 morceaux et que Lewis te dit ouais c'est super Fred, on est sur un super truc, et juste la semaine d'après il dit on va tout mettre à la poubelle, bah salut Fred. It doesn't matter who you are, it doesn't matter. J'ai pas de tourneur. C'est moi qui fais tous mes propres dates. Bonjour Lucille, c'est Lewis Evans qui t'appelle. Ça ressemble à ton album.
Bah, il sort le 26 mai. Il y a un single qui sort au mois de février. Je suis obligé de le faire moi-même parce que qui d'autre va le faire ? Et quand tu bookes tes concerts, ça veut dire que tu te vends toi et c'est toujours très difficile de se vendre soi. Je ne vais pas jouer tout seul. Donc en solo, non. Ni à deux. Je défends l'album avec le groupe, quoi. Dire le dernier album il est top, pour l'instant c'est le moyen qu'il a, il a trouvé pour trouver le plus de dates possible et il en trouve pas mal. Ouais. Bonjour, c'est toi pour l'annonce? C'est toi qui voulais l'ampli, ouais, du coup. Non, mais t'es Lewis Evans? Toi, c'est pour ton groupe de rock'n'roll, là? Là, je suis plus folk, hein. Folk pop. Et musicien? Ouais. C'est vrai? Ouais. Petit tronc. Et on se fait un petit peu bam bam boum boum. Chac, chac, chac! Viens, je te fais écouter mon son, Tu vas voir, là. It doesn't matter who you are. It doesn't matter who you are. The world keeps on spinning. The world keeps on spinning. Looking for the corners in my brain. C'est Lewis Evans. D'accord, je vais te dire. Bois plus pour mes concerts. Non, je ne sais pas. Et ils font une soirée. Lewis, comme tout bon Hooligans de Liverpool, s'invite à cette soirée sans y avoir été convié. Et puis, il boit la moitié de la bière et il trouve le moyen de se battre avec les stagiaires chers. It doesn't matter who you are. Et quand même, le mec, il n'est pas que de très bons bagarreurs, il est aussi très très bon chanteur. Ouais, il a été à moitié pardonné quand même au vu de sa prestation. En avant, première, mon deuxième album. Alors Lewis, on en est à son troisième album. Ça, c'est le deuxième Animable. Ça, c'est un très bel EP qui s'appelle L'Oreillon Vert. Et donc, sort l'Ascension, son troisième album. Et je vous dévoile le visuel du single qui s'appelle Doesn't Matter Who You Are. Ah oui, c'est mon troisième album. Je suis plus jeune. On y va ? Doesn't matter who you are. The world is always gone. I won't be coming home tomorrow. I won't be coming home tomorrow. T'es pas intéressé par un tracteur, hein? It doesn't matter who you are. It doesn't matter who you are. Donc évidemment, il y a ce rapport professionnel que j'ai moi, où on bosse, mais Lewis, évidemment, c'est devenu un pote. Et je te dis, s'il était peut-être mauvais chanteur, il serait peut-être quand même mon pote quand même, tu vois. Écoute, j'espère que vous êtes à l'aise et c'est bien, et que vous vous sentez bien. Ça va tout le monde ? J'ai pas dit qu'il était mauvais chanteur. Hein. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Plus de 20 ans.